Coucou la famille, j'espère que chez vous ça va, chez moi ça va bien. Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais vous parler du spectacle de Boukari, le 5 à Zougoube et le 6 à Daloa. C'est un spectacle dans lequel nous allons rire, nous allons nous amuser. Donc je vous invite à venir, voici le t-shirt même qui est là. Il y a les tickets de 2000, il y a les tickets de 5000 et il y a les tickets de 10 000, ça dépend de votre pouvoir d'achat. Bonjour monsieur, j'espère que ça va. Oui, ça va très bien. C'est quel nom? C'est Diara Lansiné. C'est quel travail? Je suis étudiant. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'état de la voie? Bon, l'état de la voie, il y a trop d'embouteillages. Souvent, la circulation est bizarre. Puis, il y a trop d'accidents. Les chauffeurs ne respectent pas les feux du rouleau. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu penses du goudron? Bon, le goudron aussi, c'est un peu gâté. Il y a trop d'embouteillages avec l'issue Antoine Gauze. Bon, ça fait que les chauffeurs n'ont pas assez de temps pour freiner. Donc l'État doit essayer d'arranger ça sur le goudron. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Très bien. C'est quel nom? C'est Kamobi. Vous faites quoi dans la ville? Je suis topographe. Ok. Que pensez-vous de l'état de la voie à l'intérieur de la ville? Bon, l'état de la route, c'est pas trop ça. Voilà. Il y a des crues. Les accidents se passent beaucoup. Et on souhaiterait que ça améliore très bien. Voilà, parce que quand les taximètres roulent, c'est vrai, mais en déviant les trous, c'est vrai que ça crée beaucoup d'accidents et c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts et c'est pas bon. Voilà, nous sommes les topographes. C'est vrai que nous on fait l'état des lieux, on fait la géométrie. Voilà, donc moi j'aimerais que ça s'améliore. C'est ça qui est mon problème. Voilà. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Ah oui, bonjour madame, oui, je vais bien. C'est quel nom? Touré Mamadou. Vous faites quel travail? Je suis conducteur. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de la voirie à l'intérieur de la ville de Daloa? Les voies sont dégradées et ils sont abandonnés par l'État. Voilà, c'est ça. Vraiment. C'est tout? Oui, c'est tout, vraiment. Y a pas... Qu'est-ce que vous proposez? Bon, on propose que l'État puisse faire quelque chose pour nous, puisque à Daloa, ici, vraiment, on n'a pas de voix. S'il peut réagir à faveur de ça, vraiment, il n'y a pas de problème. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. C'est quel nom? C'est Demi Aïssa. Ok. Vous faites quoi? Oui, je suis au chauffeur des taxis de Daloa. D'accord. Que pensez-vous de l'état de la voirie à l'intérieur de la ville? Bon, on est là. Bon, c'est bien si on est fatigué un peu parce que au niveau de la route là, ça nous fatigue. Parce qu'il y a trop partout. Bon, on sera obligé pour se débrouiller dedans comme cela. Sinon vraiment ça nous fatigue vraiment même. Donc si l'État peut avoir essayer de ranger un peu, là ça va nous arranger. Sinon nous-mêmes on est là, bon, on a souffert un peu. Bon, on est là se débrouiller en tout cas, on est là se débrouiller. Oui, oui.